Bonjour tout le monde. Voilà, j'en ai fini avec les vidéos qui concernent Boulogne-sur-Mer. Je crois que j'en ai balancé un peu trop, il y en a eu 34 en tout. J'espère que ça ne vous a pas saturé. Mais j'ai envie de dire que je déconseille à présent aux gens de s'abonner à ma chaîne, puisqu'ils vont être saturés de vidéos qui ne les intéressent pas forcément. Donc ce n'est peut-être pas une bonne idée de s'abonner. Voilà. C'est pour ça, je ne veux pas vous saturer. La seule chose qui m'ennuie avec ça, c'est la saturation des comptes de votre boîte mail. Et ce n'est pas mon but, hein, voilà, parce que là, j'en ai passé vraiment beaucoup des vidéos sur Boulogne-sur-Mer. Et maintenant, je vais passer à d'autres villes où il y aura quelques vidéos aussi, notamment le petit voyage que nous avons fait hier. Alors, si j'ai photographié, filmé essentiellement la mer, c'est parce que parfois, quand j'étais en ville, j'oubliais mon appareil photo. J'aurais pu, par exemple, faire un film du très beau cimetière de Boulogne-sur-Mer, très remarquable, avec des tombes étonnantes aussi, hein, et je regrette de ne pas l'avoir fait. Mais en même temps, c'est quelque chose de plus statique, alors que la mer et les passants qui vont sur la plage, les vacanciers, c'est par nature mobile. Donc ça a plus d'intérêt à ce niveau-là peut-être, hein. Et il est vrai que je n'avais pas vu la mer depuis longtemps. Alors je voulais également faire quelques autres films, petits films sur la ville de Boulogne, mais souvent je n'en avais pas l'occasion parce que j'avais voulu ne pas m'encombrer de l'appareil et puis après je le regrettais, enfin voilà. Donc vous avez une vision de cette ville, une perception de cette ville très 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 rudimentaire, très étriqué finalement, qui ne vient pas uniquement de mon étroitesse d'esprit, en partie aussi, hein, parce que je suis assez obsessionnel et quand je m'intéresse à un thème, par exemple la mer ou l'océan, j'ai tendance à ne traiter que ce thème. Alors je vais vous adresser d'autres vidéos du Cap Blanc-Nez et Gris-Nez, par contre je suis pas sûr de parvenir à les différencier l'un et l'autre. Il y en aura quelques-unes, je crois, de Calais. Il y aura aussi des vidéos de la Roche-Solutré. Voilà. À bientôt, au revoir et bonne journée.